Black Friday 2022, nous sommes le jour J. Salut tout le monde, c'est Flo. Et bien sûr, j'espère que vous avez la forme. Juste avant d'attaquer la vidéo, je voulais vous remercier. Merci à vous tous d'avoir été présents ces derniers jours. Donc les meilleures offres sont tombées souvent, c'est le jeudi soir, donc c'est tombé hier. Donc c'était la vidéo d'hier, donc n'hésitez pas à la revoir. On va faire un petit tour de tous mes coups de cœur dans cette vidéo. Vous allez voir qu'il y a beaucoup encore de coups de cœur. On va faire un tour de toutes les meilleures offres que je trouve personnellement pour moi. Il y a des nouvelles offres qui sont tombées aujourd'hui également. Donc n'hésitez pas à voir la description pour retrouver tous les liens. Également, j'ai mis à jour mon site internet et je mettrai à jour tout le week-end. Parce que les offres, hein, c'est suivant les ruptures de stock. Certaines offres vont se terminer dimanche, d'autres peut-être lundi, mais moins sûr. Dans tous les cas, n'hésitez pas à voir la première ligne de la description ici. Voilà, tous mes coups de cœur, c'est ce qu'on va voir de toute façon dans cette vidéo. Je rafraîchirai la page bien sûr, donc j'ai déjà supprimé tous les bons plans qui ne sont plus valables. Donc n'hésitez pas à voir. Donc en fin de vidéo, on va voir PC Gamer, PC Portable. Et on terminera avec les configurations. Donc je vais faire un petit tour sur quelques configurations, notamment sur mon site. Regardez, j'ai mis les configurations à jour hier. Je continuerai à mettre à jour. Et autre petite chose avant d'attaquer, il y a moins 20% sur pas mal de produits d'occasion sur le site Amazon. Donc je mettrai directement cette page-là en description, n'hésitez pas à voir. C'est moins 20% directement dans le panier. Allez, c'est parti, maintenant on attaque avec les composants PC. C'est ce qui compte pour nous. Donc premier kit évolution sur le site Top Achat, c'est une offre qui vient juste de tomber. Il faudra bien rentrer les codes à chaque fois, comme ici, Excalibur, bien rentrer les codes dans le panier. Donc ici, nous avons une carte mère qui est très moderne. C'est la MSI B550 Gaming en génération 3, donc BIOS à jour sans souci. Le petit Ryzen 5 5500, 16 Go de RAM. Il y a un jeu qui est offert en ce moment, 269,99€. Autre kit qui est vraiment top, donc c'est Ryzen 5 5600X avec la même carte mère qu'on vient de voir pour 299€. Le kit avec le Ryzen 7 5700X n'est plus disponible malheureusement. Il était à 329€, c'était vraiment une pépite, mais c'est parti très vite hier, comme je vous ai dit. Ensuite, on enchaîne sur un pack que j'aime beaucoup. Donc c'est un SSD d'1 Tera de chez Crucial. Donc c'est vraiment bien déjà 1 Tera avec 16 Go en DDR4 3200, 107,90€. On continue sur un processeur qui vient juste de baisser de prix, donc il faut rentrer le code Black Friday. C'est le Ryzen 3 4100, il était à 69,99€ hier encore, donc ici 65,79€. On continue sur les Ryzen, justement il y a pas mal d'offres, ils sont revenus en stock qui font plaisir. Donc Amazon.fr 144,99€, c'est une pépite pour ce prix là, pour moi c'est un coup de cœur comme tous les bons plans de cette vidéo. Et un tout petit peu moins cher sur le site Amazon.de. Donc si vous amortissez les frais de port, vous allez voir tout à l'heure, il y a de la RAM, il y a peut-être même des cartes mères qui sont un peu moins chères. On enchaîne sur le grand frère, le Ryzen 7 5700X sur le site Amazon.de. Donc c'est une pépite à ce prix-là, processeur 8 cœurs 16 threads. On continue ici sur le i5 12600KF. Donc je ne l'ai pas représenté cette semaine, mais je sais que c'est vraiment top, hein, 267€ pour ce processeur. Il faut une carte mère en B660 qu'on verra après. Donc voilà, pourquoi il n'est pas très cher celui-ci, parce que c'est pas une version boîte, donc vous ne recevez pas la boîte. Vous recevez bien sûr, il sera protégé, mais c'est pas la version boîte, c'est une version qu'on appelle OEM. Donc là, 267€. On continue sur une carte mère que j'aime beaucoup, donc Gigabyte B650 Gaming en version Wi-Fi, donc AX, je l'ai présenté hier. Attendu, disponible sous une semaine, donc avec les frais de livraison, ça reste moins de 200€. Et d'ailleurs, la baisse de prix est amorcée sur les Ryzen série 7000. Et également, en plus de ça, la DDR5. On continue sur une carte mère vraiment pas très chère de la marque Asus, c'est la B660MA en DDR4. Ça peut être top pour un Core i3 12100F, voire un Core i5 12400F. Donc 107,64€ sur le site Infomax. On continue sur une carte mère que j'aime beaucoup pour le Core i5, notamment 12600KF, voire via mise à jour avec le 13000. Donc il y a le petit bouton pour flasher le BIOS. Donc le petit bouton, il est en bas de la carte mère. J'ai fait le tuto, n'hésitez pas à revoir ma vidéo du test du Core i5 13600K. Donc moi j'aime bien celle-ci. Attention, c'est la version AX avec Wi-Fi. Parce qu'elle peut paraître chère, mais c'est la version AX. Qui dit AX, c'est la norme du Wi-Fi. Donc là, c'est vraiment top pour ce prix. On continue sur 16 Go ici en DDR4 et justement 3246,99€, c'est une pépite pour ce prix là sur le site Amazon.de, donc 2 x 8 Go bien sûr en DDR4. Nous avons le même kit cette fois-ci sur le site Rue du Commerce 52,99€, il n'y a rien à dire, c'est vraiment super correct. Et nous avons carrément un kit de 32 Go ici, toujours pareil, les Corsair Low Profile, 95,99€. Comme je vous ai dit, la DDR5 est à la baisse. Pour moi, c'est vraiment top en ce moment. Donc 16 Go en DDR5 5200. Pour un Ryzen série 7000, c'est top. 93,99€. On continue sur du stockage. Une pépite à ce prix-là. Western Digital Blue, 39,99€. La version
concurrente, c'est le Crucial P3. 500Go également, 39,13€, c'est vraiment top. Et nous avons la version 1TB du Crucial P3, 66,98€. Et nous avons également la version 2TB pour 129,99€. On continue sur quelques cartes graphiques. C'est vrai que c'est compliqué, les cartes graphiques sont parties très très vite hier. Moi j'ai été agréablement surpris sur la 6900 XT modèle MSI pour 699€. C'était vraiment la pépite, c'est parti très vite. Donc nous avons encore des cartes graphiques en stock très intéressantes pour jouer 1080p. La RX 6600 pour 259€, 10€ de frais de livraison. Donc le revendeur c'est NR Info. Pas de souci, moi j'ai commandé chez eux 3 fois déjà. On continue sur une offre toujours intéressante pour jouer en 1440p, c'est la RX 6700 modèle Sapphire Pulse. Donc c'est un bon modèle, bien refroidi, 359,90€, ça fait plaisir pour ce prix. Et nous avons une belle offre également, donc ne vous fiez pas au prix, 599€, parce qu'il y a moins 10%, donc 60€ de moins, sur la RX 6800 Sapphire Nitro Plus. Donc c'est vraiment très bien cette carte graphique pour jouer en 1440p très confortablement, voire sur un écran 21/9 également. Autre carte graphique, sa grande sœur, hein, c'est la RX 6800 XT modèle Power Color, 620€ sur le site Top Achat. Là, on peut commencer déjà à jouer en 4K. On continue sur une carte graphique. Bon, voilà, j'ai voulu la mettre parce que je sais que certains aiment les RTX. Donc RTX 3070 modèle Asus, 659€ avec le code simple. On poursuit avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Ça a été la section la plus compliquée durant les derniers jours. Première alimentation que j'aime bien, 62,99€ de la marque Seasonic. C'est une valeur sûre, 550 watts, 80 plus gold. On continue sur un boîtier que j'aime beaucoup, surtout pour ce prix-là. Donc, faut compter environ 10€ de frais de livraison. Mais même avec la livraison, c'est le moins cher. Donc, c'est le Aerocool Graphite en version 2. Je le rappelle, 3 ventilateurs adressables RGB de 14 cm, du mesh en façade. Il a une vie de façon portière avec la petite goupille. Il a une bonne capacité d'intégration, que ce soit water cooling, que ce soit ventirad, etc. Donc, personnellement, j'aime beaucoup ce boîtier. Autre boîtier que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas s'il va revenir en stock. C'est le Color Master CMP510 avec 3 ventilateurs adressables RGB également en façade du mesh. Donc c'est plus un boîtier destiné ventirad. Donc je ne sais pas si le prix va revenir. 57,99€, il m'est disponible à partir du 11 décembre. Mais il n'y a pas possibilité de le commander. Donc je mettrai quand même bien sûr le lien dans la description. On continue sur une autre pépite que j'aime bien. Il y avait la version RGB qui était plus chère mais qui n'est plus en stock. J'aime bien ce boîtier-là de chez Fractal Design. C'est le Focus 2 dans sa version White, 74,99€. Donc il y a la version noire également qui est disponible, mais c'est quand même 5€ de plus. Donc pour une fois que les versions blanches sont moins chères, ça fait plaisir. Autre boîtier que j'aime bien sur le site NZXT, c'est le H1 249,90€, c'est dans sa version 2. Donc bonne capacité d'intégration pour des configurations mini ITX. Le seul souci, c'est qu'en ce moment, c'est compliqué de trouver des cartes mères en mini ITX à prix abordable. Dans tous les cas, pour ce prix-là, vous avez le boîtier, vous avez un water cooling de 140 mm d'intégré, le cable management est déjà fait, ainsi que l'alimentation 750 watts, 80 plus gold. On continue sur un pack sur le site Keskin que j'avais présenté il y a quelques temps, donc qui revient en stock. C'est un pack de top qualité de chez Fantex. Donc le boîtier, c'est le Eclipse P400A adressable RGB. Donc bon airflow, il n'y a pas de souci. Nous avons une très bonne alimentation également de la marque Fantex en 750 watts, 80 plus gold. C'est du Seasonic là-dessous. Donc 156,90€ avec la livraison, ça fait à peu près 165-170€. Donc c'est vraiment bien pour un PC, on va dire, à partir de 1200-1300€. On continue sur un boîtier, il y aura un petit code de réduction de moins 4% que je mettrai à côté. C'est un boîtier qui revient en stock, donc j'avais créé une alerte et justement j'ai reçu le mail hier. Donc c'est le Colink Inspire X1, c'est bien pour des petites configurations, on va dire jusqu'à 600-700€. Donc un boîtier relativement correct. Après au niveau de la capacité d'intégration, c'est pas monstrueux, regardez bien les dimensions, dans tous les cas ça fait environ 40€ livré. Et autre boîtier qui peut être intéressant pour certains, c'est un boîtier qui est format micro ATX. On l'avait testé sur la chaîne il y a quelques temps dans sa version blanche. C'est le Ximatec Gemini 2. Donc pareil, il y a un code qui est moins 4%, je mettrai juste à côté. Ça fera environ 52-53€. Il y a à bord 3 ventilateurs qui sont RGB, donc couleur fixe, avec la petite bande RGB en façade, en plus de ça, du mesh. Donc au refroidissement, deux pépites qui ne vont pas durer, ce sont les Thermalright. Donc la version basique, entre guillemets, qui est déjà très performante, qui peut être déjà bien pour un Core i3, Core i5 12400F. Un petit Ryzen 5 5600, ça passe également. Donc 22,32€ la version RGB. Et donc la version White pour 1€ de plus. Et donc nous avons son grand frère, la version un petit peu plus musclée en version 6 Caloduc pour 31,92€. Vous avez vu, je l'ai commandé, ce sera pour le PC du Black Friday, qui sera présenté, je pense, dans à peu près 10 jours.
Et donc pour finir cette section, il y a moins 30% de remise sur pas mal de matos de chez Cooler Master. Donc je mettrai directement cette page en description. Donc moins 30% notamment les water cooling qui peuvent être pas mal, notamment le blanc. Ce qui peut être intéressant également pour ceux qui cherchent une alimentation SFX. Elle est vraiment très très bien celle-ci, la Cooler Master V850 SFX. Donc à chaque fois c'est limité pour 50 pièces. On continue maintenant avec la section des périphériques, donc écran périphérique, il y a eu pas mal d'écrans à tomber. Il y a toujours de très belles offres, notamment ici un écran de chez Dell, pour moi c'est une pépite, c'est un coup de cœur. Moins de 100€ ici pour un Dell en 75 Hz, surtout ce que j'apprécie c'est une dalle IPS compatible AMD FreeSync. Donc bien sûr il y a marqué AMD FreeSync, vous pourrez jouer sans problème avec une carte graphique Nvidia. On continue sur un écran cette fois-ci de la marque Lenovo en 27 pouces, 159,99€, donc c'est une dalle VA 120 Hz. Compatible FreeSync Premium, donc pourquoi pas. Donc voilà au niveau du look, hein, c'est pas exceptionnel en soi, mais ça reste vraiment correct. Voilà, on peut juste l'incliner, le pied, voilà, la première photo, je pense qu'elle est pas bonne. Je vais vérifier quand même, on va voir d'autres photos directement sur le site de chez Lenovo. Donc oui, la première photo n'était pas bonne, donc c'est bien celui-ci. Le pied n'est pas réglable en hauteur. C'est bien dans tous les cas un écran 120 Hz avec une dalle VA 1 milliseconde. Autre écran concurrent, cette fois-ci c'est du 27 pouces pour 10€ de plus, mais avec une dalle IPS en 165 Hz. Donc moi je préfère celui-ci d'ailleurs, donc 10€ de plus. Moi je pense que ça peut valoir le coup parce que voilà, au niveau des couleurs, tout ça, je préfère le feeling de l'IPS. Autre écran qui me paraît très intéressant, c'est un écran de la marque AOC en 27 pouces en QHD. Donc ici une dalle VA 155 Hz. Pour 199,95€, c'est vraiment le prix de base. On va regarder juste sur la page d'accueil de chez LDLC. Nous avons moins 15% sur toute la marque AOC. C'est vraiment une pépite. On continue cette fois-ci sur un écran 24,5 pouces de la marque Iiyama. Cette fois-ci, c'est un écran 240 Hz avec une dalle IPS. Donc il revient en stock, ça fait plaisir. Et donc... il y a 10€ offerts tous les 100€ d'achat avec le code BLACK10 avec la carte FNAC+. Ouais, c'est dommage, il manque juste un centime pour avoir moins 20€, mais dans tous les cas, c'est vraiment un excellent prix pour cet écran compétitif. On continue maintenant sur les autres périphériques, notamment un clavier de chez Corsair ici, c'est le K60 RGB, donc avec des switches low profile. Moi, j'aime bien celui-ci, c'est du plein format. Donc ce sont des switches de chez Cherry, ce sont les Viola. Donc dans tous les cas, excellent prix pour ce Corsair K60. On continue sur un clavier, cette fois-ci sans fil, c'est une pépite, moi j'aime beaucoup avec des switches low profile, etc. Ce sont les switches ici dans sa version tactile. Tactile, c'est un peu comme les Brown, un peu comme les bleus, mais sans le bruit. Donc le Logitech G915TKL, vraiment magnifique, moi j'aime beaucoup celui-ci. Et donc en ce moment, il faut en profiter, 118,94€ livré. On continue sur une souris que j'aime beaucoup ici, pour 30€, c'est la Razer Viper 8K, donc excellente souris. Franchement j'aime beaucoup, en plus de ça elle est ambidextre, c'est plutôt une souris compétitive pour un prix vraiment contenu. On enchaîne sur la version sans fil ici, c'est une pépite pour 59,99€, c'est une de mes souris préférées du moment, souris compétitive en sans fil. On continue sur les casques, une baisse de prix déjà, elle était vraiment canon celui-ci, c'était le Fnatic React, 39,59€, un petit coupon de moins 5% en plus. Et franchement, ça fait plaisir, donc je le rappelle, le son est vraiment super correct, le confort super correct et le micro, il est vraiment très très bon. On continue sur un casque de chez Logitech, c'est le G Pro X, il était à 57€ tout pile sur le site Amazon.fr, dommage, il n'est plus en stock. Et donc il est en stock sur le site Amazon.de pour 59,99€, avec la livraison, ça fait environ 67€. Dans tous les cas, ça reste vraiment une super offre. Je le rappelle, il coche toutes les cases, c'est-à-dire confortable, bon son et excellent micro. On part sur mon coup de cœur fauteuil gamer de cette semaine, donc c'est le Corsair T1 Race pour 199,99€. Pour moi, je trouve que ça fait plaisir. Pourquoi ? Parce que déjà, le look est vraiment sympa, un peu gris, un peu noir, etc. Et en plus de ça, les coussins sont très confortables. On continue sur mon coup de cœur webcam avec la Creative Live en 1080p, donc c'est la version 2, on avait testé sur la chaîne récemment, c'est vraiment super correct, mais bien sûr, il faut avoir un éclairage qui va avec. Même une belle caméra, si vous n'avez pas d'éclairage, la qualité sera vraiment pas terrible. Dans tous les cas, 25,49€ pour cette webcam, c'est vraiment top. Et on enchaîne sur un micro, pour moi c'est une baisse de prix, il n'y a pas de concurrence en face dans cette gamme de prix, 35,99€ pour le Fifine K670. On continue maintenant avec les PC gamers et les PC portables. Donc là, on est sur le site Memory PC. Regardez, mettre Black Friday. On va cliquer dessus, Black Friday. Je connais très très bien les prix. On les a vus déjà plusieurs fois. Et il n'y a vraiment pas de réduction du tout. Donc c'est pour ça que je n'ai pas présenté de PC Black Friday. Parce qu'il n'y a aucune réduction. Ce sont exactement les mêmes prix. Il y a même eu une augmentation il y a à peu près 2 semaines. Donc pour vous dire que c'est vraiment pas de bonnes affaires. Dans tous les cas, voilà. Moi, je prends l'exemple de celui-ci que je relais régulièrement avec la 6900 XT. Dans tous les cas, c'est vraiment une pépite pour ce prix. Mais les prix n'ont pas baissé pour le Black Friday. Donc je vous ai pas présenté d'offres, c'est pour ça.
Donc on attaque avec les vraies offres et mes coups de cœur sur les PC. Donc premier PC de la marque HP Pavilion, moins de 500€, qui permet de jouer. En plus de ça, il y a Windows 11 à bord. Donc Ryzen 5 5600G, GTX 1650, 8Go de RAM, 512 de SSD. Vous rajoutez 8Go de RAM, vous pourrez jouer à tous les jeux du moment sans problème, en 1080p, qualité faible, moyen. On continue sur une autre pépite qui est tombée hier, donc j'ai pas relié en bon plan. Donc ici nous avons un PC de la marque Medion pour 799€. Franchement c'est top, hein. Déjà Windows 11, RTX 3060 Ti, un Core i5 12400, 16Go de RAM, 1 Tera de SSD, c'est vraiment très rare. Pour moi c'est la pépite au niveau PC. Autre offre intéressante sur le site Cybertech, 799€, la configuration est moins musclée. Mais dans tous les cas c'est vraiment super correct avec des composants qui sont bien choisis. Donc ici nous avons par exemple une RTX 3060 Asus, nous avons une alimentation Asus TUF 750 watts, un Core i5 10400F, 16Go en DDR4, 3000. Donc ça reste vraiment très correct avec un petit boîtier RGB. Au niveau PC portable maintenant, mes coups de cœur, premier PC portable multimédia en 15 pouces de la marque Lenovo, à bord un Ryzen 7 5700U, donc 8 cœurs 16 threads, 8Go de RAM, 512 de SSD, prix canon, 499€. Et donc petit rappel pour ceux qui ont la carte Fnac Plus, donc n'hésitez pas à la prendre, je crois que ça vaut 10€ pour la première année, donc 10€ offert tous les 100€ avec le code BLACK10. Autre pépite intéressante au niveau PC portable, malheureusement il n'y a pas de Windows sur celui-ci, donc c'est un 15 pouces de chez Asus TUF avec un écran 144Hz, une RTX 3050, un Ryzen 5 4600H. Et donc pour ce prix-là, ça fait plaisir, 16Go de RAM, un SSD de 512. Donc vous ajoutez une petite licence de Windows dans les 10€, ça fait un PC prêt à jouer, on va dire, à tous les jeux du moment, au moins en 1080p, faible, moyen. On part sur la gamme au-dessus, cette fois-ci avec un HP Victus 16 pouces. Je crois que c'est 144Hz, je vérifie quand même pour pas dire de bêtises. Donc oui, c'est bien écran 144Hz, ils auraient dû le mettre dans le titre, hein, parce que c'est vraiment ça qui compte. Donc nous avons un Core i5 11400H, 8Go de RAM, c'est son seul défaut de celui-ci, 512 de SSD. Il y aura Windows 11 d'installé et surtout une RTX 3060. Donc pour 799€, vous rajoutez une petite barrette de 8Go pour environ 30€. Vous avez un PC prêt à jouer, on va dire pour jouer dans tous les cas en 1080p, au moins qualité moyen élevée. Autre coup de cœur qui revient en stock, un PC portable de la marque Gigabyte avec un écran 15 pouces IPS 240Hz. Configuration très musclée pour ce prix-là, déjà il y a Windows 11, un Ryzen 7 5800H, vraiment excellent, 8 cœurs 16 threads. Nous avons une RTX 3060, nous avons un M.2 d'1 Tera, donc c'est vraiment top 1 Tera, c'est quand même beaucoup plus confortable et 16Go en DDR4 3200, tout ça pour moins de 1000€. Et donc dernier PC portable, c'est uniquement pour les possesseurs de la carte Fnac Plus, donc ils mettent dès 4,99€ la première année, donc 1299€, je vais cocher, voilà, 1299€, donc ce PC là pour moi c'est une pépite. Pourquoi c'est une pépite déjà? Parce que le prix est très intéressant par rapport à la configuration, mais c'est un écran 16 pouces en QHD, donc 2560 par 1440 pixels. On va faire le tour de la configuration un peu plus bas. Donc comme je vous ai dit, un écran 165Hz en QHD, en 16 pouces, c'est vraiment très confortable. Nous avons un Ryzen 7 5800H, nous avons une RTX 3070 dans une version musclée, 16Go en DDR4 et en plus de ça, Windows 11 directement à bord. Donc pour ce prix-là, c'est un PC quand même qui est très confortable pour jouer à tous les jeux du moment sans souci. Maintenant, on va terminer cette vidéo avec les configurations faites avec les bons plans spéciaux du Black Friday, bien sûr. Donc, je mettrai à jour. Donc, nous sommes vendredi, hein, je tourne à 9h30 à peu près. Donc, je mettrai à jour vendredi après-midi et samedi après-midi, voire peut-être même un petit peu dimanche. Donc, j'essaierai d'adapter un petit peu les configurations. Donc, mon site internet, configuration PC Gamer. Donc là, on est vraiment sur l'accueil du site. On clique dessus, donc déjà il y a les PC qui sont déjà assemblés. Les configurations que j'ai faites, n'hésitez pas à regarder, entre 550 et 600€, avec tout est compatible sans souci. Alors moi, celle que j'aime bien, je vais vous montrer de suite. Donc j'aime bien déjà celle à 750€ en utilisant le Ryzen 5 5600. Donc voilà, moi j'aime bien celle-ci personnellement. J'aime bien également celle-ci entre 800 et 850€ avec une RX 6700 pour jouer déjà en 1440p. Les configurations un petit peu plus musclées, comme vous voyez, à 1000€, c'est vraiment bien, avec une 6750 XT. Celle-ci, il faut que je la mette à jour pour mettre également l'autre choix, ça va être une RX 6800, donc 1100-1200€. Et donc pour ceux qui ont un peu plus de budget, je mettrai également à jour cette configuration-là avec une RX 6900 XT. Donc voilà pour tous mes coups de cœur de ce Black Friday 2022, donc j'espère que ça vous aura plu. Petit rappel, hein, tous les liens en description. Je vous souhaite d'avance un très très bon week-end à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.